là, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu, le Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné pour faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On est posé chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme le vulgaire transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galate est une ville de malfaiteurs, elle porte les traces des sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant les assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se suit. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand j'y ramènerai les captifs. Seigneur, si aujourd'hui nous pouvons dire ce que c'est parce que tu as envoyé le prophète. Il est venu, Seigneur, avec ton approbation, Dieu. Il a ouvert les sceaux, Seigneur, cette terrible et éclair pour nous. Seigneur, mais en tout cela, nous aurons toujours besoin de toi. Viens, Seigneur, donne-nous, Seigneur, une mention spéciale. Bénis, Seigneur, moi, Seigneur, les oreilles qui vont écouter, et moi, la bouche qui va parler. Seigneur, ma prière est que tu puisses monter du chemin, Seigneur, et que toi, tu puisses parler à ton peuple. Nous te disons infiniment merci de bien étudier ta parole et le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que le soir, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7. Là, il s'agit bien de sceller les 144. Parce qu'il y avait des anges. Il y avait des anges qui étaient chargés de détruire. Mais avant de détruire, on les a dit de ne pas le faire jusqu'à ce qu'ils puissent sceller les serviteurs de Dieu. Le frère Branham dit que nous ne sommes pas les serviteurs, nous sommes l'épouse. Amen. C'est Israël qui est le serviteur. Il dit, il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, le sceau du Dieu vivant, et criait d'une voix forte aux quatre anges, et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués. Ici, on nous montre qu'ils ont déjà été marqués. Pourquoi est-ce que c'est? Amen. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Mais ici,
lumière qui est membre entre l'église, en ce moment-là, Jésus apparaît. Donc l'apparition de Jésus arrive après l'entrée du dernier membre. Amen. Là, nous avons déjà pris les gens qui disent que Jésus est venu, mais ils attendent l'entrée du dernier membre. Amen. Ça, c'est déjà impossible. Mais ici, le frère Branham nous a montré de reconnaître votre jeu et son message. Vous savez, ce message que le frère Branham a prêché, après la fin des trompettes, il a prêché un sermon que j'ai oublié, et après ça, il a prêché reconnaître votre jeu et son message. Et ce message de reconnaître votre jeu et son message, c'est comme la suite des trompettes. Amen. Et avant de prêcher cette prédication, le frère Branham a pris Osée chapitre 6. Alors, Osée chapitre 6, au verset 11, il dit, « À toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. » Donc ici, là, Osée, le frère Branham, il prend ce passage pour nous montrer qui est Dieu était en train de ramener son peuple. Mais avant d'arriver là, je vais prendre d'abord dans reconnaître votre jeu et son message par 48. Il dit, or, sur les journaux, on ne retrouve que les 6 âges. Amen. C'est parce que l'église de l'Odyssée correspondait à un obscurcissement total. Il dit, et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans les ciel, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace. Donc le frère Branham, lui, en disposant les âges de l'église sur la terre, il avait laissé l'espace. Amen. Le frère Branham, lui, il avait laissé l'espace. La terre est venue prendre les livres de sa main droite pour ouvrir le sort
Il s'est assis et il a revendiqué son bien, c'est-à-dire les racheter. Ce qu'il avait racheté, pas vrai, le troisième processus. Donc nous voyons qu'avant l'ouverture du livre, l'agneau devait quitter le trône. Or, l'agneau qui quitte le trône, il quitte le trône d'intercession. Donc l'intercession qu'on fait. Or, l'agneau ne doit pas quitter l'intercession si le dernier membre n'est pas encore racheté. Vous êtes avec moi? Le dernier membre doit d'abord être racheté avant que l'agneau puisse quitter le trône. Sinon, il sera irresponsable, c'est ça. Or, là, nous voyons que le livre les a pris. Et le frère Marc nous dit que le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. C'est en dehors des âges. Amen. Et aujourd'hui, on se promène avec le livre des soins, mais en disant que nous sommes encore dans l'âge de l'Église. Bon, ça c'est chaud. Dans la dislocation du monde, le monde se disloque une fois de plus. Prêché le 27 novembre 63. Le frère Marc dit ceci. Et une fois le dernier nom inscrit dans ce livre-là, ou plutôt par la presse, ou plutôt le dernier nom racheté, celui qui était inscrit dans ce livre-là, ce sera réglé, il viendra réclamer ce qu'il avait racheté. Or, Apocalypse chapitre 10, c'est Christ qui descend pour réclamer ses élus, les élus qu'il avait rachetés. Amen. Et ça, ça pourrait être un temps étrange. Il dit, avez-vous déjà pensé? Il dit, les gens continueront carrément à prêcher, l'Église continuera carrément à penser que les gens sont sauvés. Amen. Les gens continueront à prêcher, en pensant que les gens seront sauvés, mais ça sera déjà fini. C'est le plus grand qui parle. Il dit, il sera alors trop tard, tout sera terminé, voyez. Il dit, et le message ira à ceux qui sont complètement perdus. Alors les gens diront, mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui? Frère Madame dit que Jésus-Christ, en son troisième point, il a prêché aux âmes captives. Aujourd'hui, on peut prêcher aux âmes déjà perdues, juste pour le condamner. Parce que les cieux et l'enfer sont sur la terre. Le frère Madame a vu l'enfer dans un shopping center. Il est parti faire les achats avec son épouse, la soeur Meda. Arrivé là-bas, le frère Madame voit une des dames maquillée n'importe comment. Le frère Madame dit que c'était des choses horribles. Il dit c'est exactement ce que j'avais vu là-bas en enfer. Dans l'enfer, il était sur la terre. Et le ciel aussi est ici. Le frère Madame dit juste comme c'était arrivé le temps de Noé, 7 jours dans l'âge, c'est ce qui s'est passé du temps de Sodome. Jésus lui-même, la troisième étape de son ministère, il est allé prêcher aux âmes qui étaient éternellement perdues. Donc son travail, le frère Madame aussi, il devait aussi prêcher aux âmes perdues. Ceux qui étaient dans la dénomination, même ceux qui prétendent être dans le message, mais perdus. C'est pourquoi vous voyez en 1965, le frère Madame vous dit que nous attendons Christ. Il viendra. Aucun il viendra. Chose étrange, le frère Madame attendait même les messagers de Matthieu chapitre 4. Il a gardé ce monsieur-là. Amen. Et j'ai lu une citation du frère Branham dit que je ne suis pas prophète. Il dit, je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas. Il dit, je ne le dis pas par humilité, mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas digne de l'être. Amen. Un pasteur ne sait pas se saisir de ça pour lui. Vous, vous prenez cet homme comme prophète, les gars, c'est qui? Amen. Alors, on voit le prophète. Si le frère Madame nous avait dit qu'il était prophète, moi je n'allais pas croire. Un prophète, c'est lui. On a demandé à Jean-Baptiste. Es-tu élu du nom? Es-tu un prophète? Il dit non. Mais qui es-tu? Il dit je suis la voix qui crie dans le désert. Les prophètes s'identifient aux Écritures. Amen. Le frère Madame dit qu'il n'était pas prophète, mais il est Malachie chapitre 4. Allez-y, comprends. Mais dans l'une des prières, je regarde une femme et dit que crois-tu que Jésus est prophète? Il parle de vie. Amen. Aujourd'hui, on va vous dire que voilà, nous attendons la venue du Seigneur. Mais frère, comment est-ce que la venue du Seigneur viendra prier que le messager a quitté? Bref, que la terre nous dit que l'ange puissant, quand il descend sur la terre, le septième ange est sur la terre au moment de la venue. Or, les lignes de Malachie 4, ou bien le messager du septième ange, c'est lui qui devait amener son groupe vivant de l'enlèvement. Il n'y a pas un enlèvement sans frère.
C'est l'horloge
devez recevoir. Sinon, vous allez recevoir un peu de oui, c'est le message de Frère Branham. Mais vous recevez quelle partie? Vous recevez le message à partir de là où vous êtes. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des batailles de situation. Chacun tire la couverture de, de sa part. Il dit non, mon frère, madame, lui-même, il dit ici, si, frère, nous attendons la venue, il viendra. Moi, c'est déjà venu à la situation pour dire que frère, le frère, madame, on s'est niqué. Amen. C'est une question de reconnaître votre jour et son message. Nous savons que les juifs sont appelés par les trompettes. Amen. Parce que dans les fêtes, il y avait la fête de Pâques. Il y avait la fête, c'est le pain sans levain. Il y avait la fête des germes agités. Il y avait la fête de la moisson ou la fête des sabbats. Et il y avait la fête des trompettes. Amen. Après la fête des trompettes, c'était la fête des expiations. Or, la fête des trompettes, ça appelait Israël pour reconnaître l'expiation. Au fait, madame dit que tous les âges de l'Église, c'était sous la fête de la moisson. Or, nous avons montré que les âges de l'Église ont pu faire. Quand ils prennent du fait, automatiquement, nous entrons dans les âges, nous entrons dans la fête des trompettes. Voilà pourquoi le frère Branham prêchait les trompettes. Il continue. 27. Ensuite, nous voyons, avant les sept jours, lesquels tenaient cachés tous les mystères. Alors que je ne savais pas ce que j'ai dessiné au tableau pour les âges de l'Église, absolument pas. Dieu le sait, c'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Alors que je ne savais pas que Dieu, un an et six mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux, par la lune et faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. Je ne savais pas. Il dit, je ne savais pas qu'il y aurait un mystère obscur sous moi de la lune, ce qui représentait cet âge de la religion. Ça, c'est pour montrer la géologie. Pourquoi est-ce que le frère Branham parle de l'obscurcissement de l'Odyssée avant de prêcher et reconnaître votre jeu et votre message? Pour faire suite à la prédication du dimanche passé qui était la fête, des trompettes. Vous comprenez? Or, cette fête des trompettes-là, c'est ça qui a fait le jeu. Or, le frère Branham dit que la salle a été réservée dans la même prédication, par exemple, je crois, 28. La salle a été réservée pour prêcher les trompettes. Billy Paul et tout le monde, ils ont déjà fait la réservation. La climatisation était bien arrangée. Mais lorsque le frère Branham s'est préparé, lorsqu'il est parti se préparer pour recevoir un message de la part de Dieu, alors on lui dirait que ne prêche pas les sept trompettes parce que tu les as déjà prêchées. Qui les a prêchées? Branham. Or, les trompettes servent pour appeler Israël, pas les nations. Or, ils ne pouvaient pas prêcher les trompettes si l'âge des nations n'avait pas encore pris fin. C'est clair. Or, Dieu a écrit les trois buts dans la fête des trompettes. Paragraphe français. Le faire votre plaisir. Les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les éléments, les événements qui ont trait à l'Église. Amen. Je vais faire un petit tableau ici. Ok. Du premier au trois, hein, troisième chapitre, c'est l'Église. Ok.
19, l'épouse et l'époux ensemble, qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est uniquement question du millénium, de ce qui suivra pendant les années après. Du chapitre 4 jusqu'au 19, chapitre 19, cette période-là, Dieu traitait avec Israël. Donc du chapitre 4 au chapitre 19, Dieu traitait avec Israël. Amen. Maintenant, du chapitre 19, ok, au 22, l'Apocalypse, nous avons donc Israël. Dieu qui a compris sa parole, l'Apocalypse 10.
Shalom. Tu sais, c'était la vie. Dis avec moi. Quand vous allez apparaître cette chose-là, cela veut dire que ça va finir avec les anges de l'église. Puisque les anges de l'église étaient encore le feu, ça n'est pas fini. Amen. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et l'éther. Elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Le troisième a été écrite, la troisième parole a été écrite sur papier. C'est ce que nous avons essayé. Amen. La Bible pour ce monde très intelligent, très intellectuel, qui allait venir maintenant. Dieu a parcouru les âges. Écoutez, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui qui. Mais le fait qu'on nous a dit qu'il est lion, c'est la seconde venue. Il dit qu'il a parcouru les âges, nous sommes maintenant à celui du lion. Bon, qu'est-ce qu'il reste encore? Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. La pyramide est coiffée. Donc, quand la pyramide se coiffe, c'est la nuit qui descend. N'est-ce pas? Il dit, nous en sommes dans l'Apocalypse au dernier chapitre. Or, la prochaine dernier chapitre, c'est-à-dire que c'est Israël et l'Église ensemble. Et si vous voyez Israël et l'Église ensemble, c'est-à-dire que les trompettes doivent sonner déjà. Voilà pourquoi ici, Femme Adam dit que le chapitre 7 mathématiquement a été placé là, selon la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le chapitre 6, c'est l'ouverture du sceau. Et le chapitre 8 de l'Apocalypse, c'est le 7e sceau. Vous allez voir que le 7e chapitre, donc avant l'arrivée du 7e saut, les chiffres devaient d'abord être serrés. C'est au chapitre 7. Enfin, mathématiquement, ça devait être placé là. C'est entre les sauts, c'est entre pardon, le chapitre 6 et le chapitre 8. Amen. Parce que là, le chapitre 6, c'est les sauts qui ont été posés au ciel quand j'ai été monté. Mais le chapitre 8, c'est l'Apocalypse, c'est le silence. Amen. C'est le silence, c'est le son qui devait être brisé ici sur la terre. C'est lorsqu'il descend. Le chapitre 6, c'est lorsqu'il est monté, c'est au ciel qu'il le voit. Il est monté au chapitre 4, il le voit là-bas au chapitre 5, 6, le brisement des sons. Mais le chapitre 8, c'est le 7e son qui ramène Christ sur la terre. Mais avant que Christ puisse être ramené sur la terre, il fallait qu'il y ait d'abord seulement au chapitre 7. Vous êtes avec moi? Mais le fait qu'on a dit que les sacs en tête de Bible ont été appelés entre le 6e et le 7e sous. Or, nous savons que la nuit, c'est le 7e sous, n'est-ce pas? Toujours la fête des trompettes. Il dit ensuite, paragraphe 44, ensuite, quand j'en suis venu à cette partie-ci, de prêcher les 7e. Je m'étais dit, eh bien, je ne chercherai pas à penser quoi que ce soit. J'attendrai simplement ce moment-là et je le laisserai me révéler ce qu'il en est. Et puis hier, quand je suis allé dans mon bureau et que je me demandais pourquoi, ou excusez-moi, c'était avant-hier, quand je suis allé dans mon bureau pour essayer de comprendre, c'est là que le Saint-Esprit m'a dévoilé ceci. Pour me montrer la raison. Ce n'est même pas utile à l'Église en ce moment. Parce que ça n'a rien du tout à voir avec l'Église. Amen. Soit les trompettes n'avaient rien à voir avec l'Église. Parce que les trompettes, c'était appelé Israël. Il continue, 1067. Et la 7e trompette. Que cela s'insère. Que les chiffres sont appelés entre le 6e et le 7e fléau. Qu'on en arrive au 144 000, vous vous en souvenez? Ce qui s'est passé entre les deux, vous vous souvenez, entre le 6e, le 5e saut et le 6e saut.
Entre les sixième sceau et les septième sceau, il y avait la paix des 144 000. Amen. Or, le septième sceau, c'est la descente de la nuée. Vous comprenez? Le juge est appelé entre les sixième et les septième sceau. Ils sont appelés par quoi? Par les trompettes. Or, le frère Branham dit que les trompettes ne sonnent pas dans les âges de l'Église. Ça sonne en dehors des âges. Or, les sixième sceau, ce n'est pas les âges d'Église. Les âges d'Église prennent fin au quatrième sceau. Les cinquième et les sixième sceau, c'est là que se sert les fêtes, la fête des trompettes. Et les juifs sont appelés par entre les sixième et les septième sceau. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans les septième sceau. Comment est-ce que nous attendons encore l'appel des juifs? C'est compliqué. Dans les septième sceau, il faut que nous disions 173. Cette période de temps, c'était entre les sixième et les septième sceau. Alors qu'il appelle ces gens dont Jésus a parlé dans Matthieu, chapitre 24, verset 31, que nous venons de lire. Il dit, voyez, vous voyez, les trompettes ici, les deux témoins, quand les trompettes sonnent, c'est la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce pour les juifs. Une trompette qui sonne, remarquez, une trompette qui sonne, il a dit, et sonneront de la trompette, maintenant remarquez ici. Il dit, voilà. Il dit, quand la trompette sonne, c'est la trompette de Dieu. Or, les trompettes ont sonné sous les sixième sceau. Et qui nous a prêché le sixième sceau? C'est le frère Branham. Frère Branham dit que, il dit que les deux témoins ont ouvert le sixième sceau. Amen. Amen. Ce sont les deux témoins qui ont ouvert le sixième sceau. Modèle de transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Amen. Élie. Il y avait les disciples, il y avait Jean, il y avait Pierre, et puis il y avait Jacques. Et devant eux, il y avait Élie et Moïse. Et Jésus était au milieu. Quand ils ont regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les deux fondus en Christ. Ils étaient partis où? Il dit qu'ils étaient fondus en Christ. C'est-à-dire que tous les trois étaient devenus un. Parce que vous connaissez la loi de Dieu. Deux témoins majeurs impossibles. Personne n'aura à voir l'autre. Il faut qu'il y ait un seul prophète en même temps. C'est pourquoi le frère Branham dit que les Juifs, les deux témoins, ont ouvert les sixième sceau. Mais on n'a pas vu de deux témoins physiques comme ça. Des chers qui ouvrent les sceaux. Nous avons vu le frère Branham ouvrir tous les sceaux. Amen. La fête de trompette, ça commence. Il dit les rassemblements d'Israël, ce sont les trompettes. Les trompettes servent à rassembler Israël. Or, les trompettes servent à quoi? Les trompettes servent à annoncer une guerre. Les trompettes servent à annoncer l'entrée d'une personne importante. Comme Joseph, quand il entrait, la trompette sonne. Et les trompettes servent aussi pour les rassembler contre. Trois choses. Au cas les trompettes sonnent, c'est pour rassembler un peuple. Or, nous, les trompettes ne nous concernent pas. Les trompettes concernent les juifs. Quand c'est là, les trompettes ont sonné, c'était pour rassembler les juifs à la fête des expiations. Il est remarqué, la toute première trompette sonne. Les sang, le feu, la grêle et tout sont jetés ça et là sur la terre. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Amen. Voyez-vous, les ramener dans sa patrie. Or, nous savons que quand Israël était là-bas dans le monde du pardon, Dieu a suscité Solini et Hitler. Faut qu'on a dit que les chevaux qui étaient gardés dans le fleuve de Frat. Il dit c'était des chevaux spirituels. Il dit mais en ce moment-là, les chevaux-là étaient
changer mon ministère. Amen. Ou soit il va me prendre, m'amener dans le désert pour me poindre et m'envoyer comme celui qui a été promis. En commençant, il faut me dire que non. Peut-être que le temps est arrivé pour céder la place à celui qui devait venir. Alors les autres prisonniers disent, le frère maman céder la place pour moi. Là, il y a une question qu'on appelle Kabou Philippe, il dit que le frère maman a laissé la place pour lui. Il dit que non, il est le Dieu des biens. Nous nous parlons des chaleurs, peut-être pas le Dieu des biens. Nous nous sommes dans les chaleurs. On a pu admirer le ministre de l'État de l'Église, c'était là. C'est déjà fini, le dernier ministre est déjà raté. Pauvre Kabou Philippe, il est arrivé là. Il dit que le message de Frère Manon c'est du passé, c'est maintenant. Oh, que des minutes. Frère Manon déjà la charge de ne pas écrire le minute. Frère, non, ce prophète là, il était confirmé partout. Amen. Alors, le Frère Manon dit ceci. Dans ce même passage là, le Frère Manon, quand il dit que non, soit j'étais venu pour préparer les chemins. S'il est là, je vais lui laisser la place. Alors un pasteur a pris ce passage-là pour dire que non, vous voyez le frère Branham lui-même, il a dit qu'il préparait la place pour quelqu'un. Je mets même ma main sur la Bible et je jure. Donc c'était lui. Donc le frère Branham a préparé la place pour lui. Ça, il préparait la place pour Christ. Amen. Lui, il pensait que ça devait être comme au temps de Jean-Baptiste. Il y avait Jean-Baptiste et il y avait Christ. C'est pourquoi il disait que peut-être que c'est la fin de ma vie. Dans M. Kéléoti, il dit que la façon dont j'ai vu l'explosion, je ne pense pas que je vivrai. Il dit, je vais seulement ma Bible là. Quand Joseph va grandir, il va prendre cette Bible là. Lui, il pensait que lui devait mourir et Christ devait arriver. Or, il ne savait pas que c'était que lui devait rester là, le reste de ma vie. Lui devait diminuer et qu'il devait croître. Parce qu'il ne devait pas être ici au même moment. Comme Jean-Baptiste et Jésus ne pouvaient pas être ici au même moment. Jean-Baptiste présente Christ. Il dit, voici la terre de Dieu qui va te pécher du monde. Christ arrive sur scène. Lui, il a déjà présenté Christ, mais il continue à prêcher. Oh, mais Jean-Baptiste. Après, comment ça va dire? Allez dire un peu de connaître si c'est vraiment lui. Ah, mais tu as brûlé ça, Jean-Baptiste. Lui, toi les précurseurs qui devaient présenter les messieurs, et tu les as présentés, et tu nous dis d'aller encore des bonnes. Il dit, ok, tu as des bonnes. Ils sont partis chez Jésus. Il dit que nos gens nous envoient pour vérifier si c'est vraiment toi. Jésus leur dit, asseyez-vous là, et voyez ce qui est fait. Ils ont mis l'accomplissement des Écritures. Après, il a dit, allez-y dire à Jean ce que vous avez vu. Alors Jean avait compris que c'était le moment. Comme il n'écoutait pas, on devait lui couper la tête. Parce qu'on ne peut pas avoir deux têtes dans cette dispensation. Jésus a dit à mon frère, on a dit que Dieu nous a envoyé deux témoins à la fois. Il a envoyé Jean seul. Il a envoyé Jésus seul. Jean devait comprendre que son ministère était terminé. Il devait prier par lui et rester pour la même. C'est fini. Parce que son ministère.
Nous sonnons sous les sixièmes du son, dans les trompettes. Et nous en avons parlé dimanche passé, quand nous avons abordé la fête des trompettes. Si vous voulez vous procurer les saints, elle devait servir à quoi? À amener les Juifs à rentrer en Nath. De tous les coins du monde dans leur pays. C'est le frère Tano qui parle ici. C'est lui qui a passé le trompette. Il pose la question que ça servait à quoi? Et ça servait à ramener Israël dans sa patrie. Il faut qu'il y soit dit, et l'ouverture des sceaux, sous le sixième sceau, il dit les sept trompettes ont sonné au sixième sceau. Voilà pourquoi il y a un prédicateur aux États-Unis que j'aime beaucoup. Déjà capté, le frère de Nicolas a été bon, je ne sais pas. Mais, en étudiant les sixièmes sceaux, il dit que si les sixièmes sceaux est ouvert, donc c'est-à-dire que les Juifs sont déjà appelés. Si les sixièmes sceaux est ouvert, c'est-à-dire que c'est la fin. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le sixth seal was cracked open. Do not crack open. Ça dit que les cinq enfants font qui est. Donc ça fait c'est une petite faute comme ça, mais ce n'est pas encore ouvert complètement. Donc ça veut dire pour refuser toutes les choses, il faut refuser les sixièmes sceaux. Donc on va commencer à arracher les sceaux un à un, jusqu'à ce que les gens n'auront que les trois sceaux. Or, tous les sceaux étaient là, n'est-ce pas? Donc, premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et ça, c'est le septième saut. Vous comprenez? Le septième saut, c'était l'enveloppe de tous les sauts. Après, il y a qu'est-ce qui saut? Frère Madame dit que les sauts, c'est une œuvre achevée. Il dit, Frère Madame dit que Dieu ne pourrait pas ramener le livre si les sauts n'étaient pas arrivés à terme. Il dit, le livre d'Apocalypse, Apocalypse ça veut dire révélation. Il dit, c'est lorsque un sculpteur fait sa statue. Il dit, c'est Dieu qui construit le chef-d'œuvre. Il dit, après la construction du chef-d'œuvre, il allait maintenant le voir pour nous montrer ce qui a été fait. Vous comprenez? Or, le sixième sceau ne peut pas être ouvert avant que le sixième sceau puisse être compris. Tout devait d'abord être accompli après le septième jour revient pour ôter le voile. Amen. Reconnaître votre Dieu, votre message. 35. Or, en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 sabbats. Le tableau, c'est difficile à effacer. Amen. Et le frère Barabbas
l'église était sous la fête de la moisson. C'est-à-dire ici. Et je l'ai prêché des...
quelque chose qui me dit que je vais appeler, je vais faire quelque chose pour appeler Israël au Seigneur. Oh, pour appeler Israël au Seigneur, ce sont les trompettes. Il dit, de façon surnaturelle, vous voyez, c'est la main de Dieu, toutes les choses, c'est pour Israël. Et nous avons vu que ce qu'il en était sous le sixième sceau, pour ceux d'entre vous qui se font procurer ça, il s'agit de la persécution des Juifs. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'il y en a encore. Il y a encore beaucoup de situations. Bon, je vais commencer par cette citation. Le fait de tromper, ça, c'est la fin. Il dit, notez bien, dans Proverbes chapitre 9 et verset 13, voyez, soyez très attentifs. Là, il dit, sous la sixième trompette, dans Proverbes 9, 13, sous la sixième trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve d'Euphrate ont été déliés sous la sixième trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Remarquez, je voudrais que vous les preniez en note pour pouvoir les lire. Pendant que les groupes d'ici, bon, je m'arrête là. C'est-à-dire que les deux, les 200 000 cavaliers, les 200 000 cavaliers dans le monde, il dit, qui étaient liés sur le fleuve de Fat, il dit, quand ils ont été libérés, c'était la sixième trompette qui avait sonné. Donc, pour quels les cavaliers puissent être libérés, afin de retourner Israël, de pousser Israël pour retourner dans leur patrie, il dit que ça devait sonner sous les sixièmes sons. Donc, là, nous voyons qu'Israël était déjà retourné dans sa patrie. Au même moment que le frère Manoël était venu se mettre, pendant qu'il priait, pendant que l'ange est venu le voir, à la même année, Israël était devenu une nation. Donc il y avait une connexion entre